Bonjour. Nous voulons faire un petit point aujourd'hui sur ce que nous sommes en train de vivre. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu deux textes parus de philosophes, c'est pour ça que je vous interroge d'abord comme philosophe. Et il y a un texte de Comte Sponville qui est sorti dans le JDD, où j'ai entendu aussi sur France Inter, et puis un texte aussi de BHL, de Bernard-Henri Lévy, qui en gros disent, écoutez, il y a une hubris des médias, il y a un délire autour de cette histoire de coronavirus. On en fait trop. Ils ont comparé à des épidémies des années 58, 68, où on a eu pratiquement autant de morts, et ils disent c'est un délire aujourd'hui. Comment vous réagissez comme philosophe par rapport à ce qui se passe, quoi? Est-ce que vous avez cette espèce d'impression aussi de trop, où on est dans un délire, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de grave qui se passe autour de nous en ce moment? Oui, je pense que si ça se représente la prochaine fois, il n'y aura pas du tout cette réaction gigantesque que nous avons actuellement, parce que là, on est frappé de plein fouet dans un contexte de, je dirais, d'économie mondialisée, mais aussi, je dirais, de numérisation mondiale des communications qui fait une sorte de simultanéité, alors qu'autrefois, on était frappé, je dirais, un par un, par petites grappes dans des coins, etc. Donc là, il y a un phénomène de globalisation aussi, je dirais, de l'information et de l'émoi autour de la chose. Donc ça, c'est inédit. Donc je pense que la prochaine fois, on sera vacciné, si je peux dire, face Par rapport à ça. à l'épidémie émotionnelle, certainement. Bon. En même temps, j'ai envie de dire, là où je ne suis pas d'accord avec Comte Sponville, avec Bernard-Henri Lévy, il a dit quelque chose quand même du même genre, c'est qu'en fait, en même temps, c'est une occasion extraordinaire. Justement, on n'aurait jamais réussi à faire ça par tout autre émoi. L'émoi climatique n'a jamais réussi à faire ça. Enfin, il y a plein de raisons d'avoir des émois qui ne font rien. Donc, ce serait dommage de se priver de cette occasion. C'est juste une occasion. C'est juste une occasion. C'est pas plus grave que ça. Hein, je pense. Enfin, c'est grave, évidemment. Il y a des situations personnelles évidemment très graves. Mais je veux dire, en faire l'occasion de cette espèce de pause, de moment de réflexion où on arrête tout, on réfléchit, on n'arrête pas tout, mais enfin on arrête beaucoup de choses. Ça, je trouve ça en fait finalement très positif. Vous voyez, là je ne le prends pas comme un truc purement négatif et purement rempli par du vide. Non, ce n'est pas rempli par du vide. Il y a beaucoup de choses qui se partagent, qui se communiquent et qui sont pleines de saveurs, pleines d'expériences de vie, difficiles d'ailleurs, hein, bon, mais il y a aussi un moment de vérité sur plein de choses, sur des relations, sur des contextes de toutes sortes. C'est aussi de vérité économique aussi, hein, sur la réalité des besoins, sur la réalité des métiers aussi, quels sont les métiers dont on a vraiment besoin. Tout ça, c'est un moment vraiment, en ce sens-là, de vérité. La vérité, c'est un grand mot, mais de vérification, je dirais. Vraiment très intéressant et je trouve en fait utile. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de la mort aussi jusqu'à présent? On ne parlait pas beaucoup de la mort dans la société dans laquelle nous vivons. Enfin, la mort est un peu cachée. Et là, on égrène les morts tous les soirs. On nous dit combien il y a de morts. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a un rapport avec la mort qui est un peu nouveau là, dans notre société? Oui, très juste, c'est certain. Certain qu'on avait mis la mort vraiment de côté. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas de côté, parce que finalement, elle est encore plus invisibilisée d'une certaine manière que d'habitude. On n'accompagne même plus nos mourants. On n'accompagne d'ailleurs même plus les personnes en deuil. Donc là, il y a une situation à cause de la distanciation sociale, une situation de solitude tout à fait particulière. Mais en même temps, c'est vrai que ces morts, on dirait, plus massive, cette augmentation du nombre de morts, et puis le fait, c'est cette situation qui fait que les rituels de sépulture ne peuvent pas avoir lieu réellement, que l'accompagnement ne peut pas avoir lieu. Tout ça fait réfléchir sur la mort et sur la place de la mort dans nos sociétés. Et oui, on a certainement beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Moi, j'en ai plein. Hein. Mais Ben allons-y, allons-y. bon, alors d'accord, prenons ce thème. C'est un thème vraiment, je crois, très, très important. Je pense que d'une certaine manière, toutes les religions, toutes les civilisations se sont construites depuis la nuit des temps autour je dirais, de l'absence et du mort comme absent. Quelqu'un qui était présent et qui devient absent, etc. Et donc, la représentation de la mort, et les rituels funéraires, etc., c'est vraiment très important au fondement de tous les sentiments religieux et de tous les rituels funéraires, etc. Mais avec un risque, je dirais, de culte des morts,
et je dirais un risque de religion presque de la mort et autour de la mort, etc. Et c'est quelque chose qui existe beaucoup, hein, qui est très fort. Et là, je pense qu'on a deux autres choses à dire. La première chose, là, moi, je suis de tradition calviniste et j'ai envie de dire, voilà, que Calvin, il demande à sa mort d'être jeté à la fosse publique parmi d'autres, de manière anonyme. Vous voyez, c'est la différence entre Calvin et Lénine. On a un énorme tombeau mausolée autour de Lénine. Mais Calvin, pas du tout. On ne sait même pas où il est enterré. Il s'est fait enterrer sans culte, sans cantique, sans rien presque. Vous voyez, lui, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un culte autour de lui. Il voulait que ce soit la parole de Dieu qui soit en avant et pas lui. Ouais. Exactement. Et donc, aussi, ça allait de pair avec son ironie terrible à l'égard du culte des reliques, des reliques de saints. Il se moquait dans son traité de reliques, il se moque tellement des reliques. Oui, c'est formidable, ce texte. C'est très drôle, c'est très rabelaisien. Ah, oui. Il ne voulait pas qu'il lui arrive la même chose, si vous voulez. Enfin, des reliques autour de Calvin, c'est tellement contradictoire avec sa théologie, si vous voulez. Mais ça, c'est une instruction très forte qui a été, je dirais, très vécue dans le... dans le quotidien de la présence des morts dans la culture protestante méridionale en France, en tout cas ce que je connais le mieux, c'est vraiment des morts qu'on met dans un coin de jardin, à la limite même parfois sans croire. Moi, tous mes ancêtres à Bel, côté du plateau Ardéchois, ils étaient enterrés longtemps dans des champs, sans croix, sans rien, oui, bon, juste comme ça. Et on n'allait pas au temple avec le corps. On enterre et après on fait un culte qui est un culte des vivants, de la communauté des vivants qui rend témoignage. Et on ne dit rien sur le mort d'ailleurs, on ne parle pas du mort. Oui, on ne parle pas du mort. On parle pas du mort. Donc, alors là, je dirais qu'il y a une leçon à en tirer de tout cela, c'est une leçon de simplicité, je dirais de modestie. C'est-à-dire avoir la mort modeste. Et je pense que c'est compliqué ça, parce qu'on a bien sûr, je ne veux pas dire que les rituels d'accompagnement, de deuil, ça, c'est très, le deuil existe, évidemment. Je ne veux pas du tout minimiser le deuil. Le deuil existe, mais il faut aussi prendre la mort non pas comme un accident épouvantable, mais la mort ça arrive à tout le monde. Nous sommes tous nés, nous allons tous mourir, et donc faire de la mort quelque chose comme quelque chose de naturel, quelque chose qui est simple, quelque chose qu'il faut prendre de manière modeste. Il y a un temps pour grandir, et puis il y a un temps pour décliner, il y a un temps pour diminuer, il y a un temps pour partir, pour s'effacer, et voilà, je pense que redévelopper un sens à la fois de la présence du mort. Mon père était pasteur. Quand j'étais enfant, je l'ai accompagné 15 fois dans des fermes en Ardèche, voir les familles où il y avait le mort il était là, etc. La famille, les enfants, tout le monde était à côté du mort qui, si je peux dire, dormait dans les pièces à côté. La mort était présente. Nous, on a éloigné la mort tellement qu'on en a fait quelque chose d'extrêmement inquiétant et surtout dont on ne veut pas parler. Donc, réintégrer la mort dans l'ordinaire. Hein, et le réintégrer comme il y a un temps pour et un temps pour, au sens de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour cette diminution et pour cet effacement modeste. Et ça, je pense que c'est une leçon très importante, d'autant plus importante que nous sommes dans un monde où il y a eu, dans une société, à une époque où il y a eu beaucoup de naissances. On a eu beaucoup de naissances avec le baby-boom en France, on a eu beaucoup de naissances dans le monde, tous les pays ont eu des croissances démographiques gigantesques, donc il va y avoir beaucoup de morts. Forcément, il va y avoir des morts naturelles, mais des morts de famine, des morts d'épidémie, des morts de guerre. Et c'est même quelque chose qui m'inquiète, c'est que comme il y a beaucoup de naissances, comment est-ce qu'on va faire pour mourir si nombreux? Il y a le risque justement, c'est qu'il y ait des grands épisodes de morts en grappe, soit par des épidémies, soit par des choses comme ça. Et donc, il faut qu'on est né un par un. En principe, on meurt un par un, et donc c'est important d'accompagner la singularité de chaque mourant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, certainement, et de faire le deuil de chacun singulièrement. Ça c'est certain. Mais justement, comment faire ça alors qu'il y a des moments de mort en masse, de mort en grappe? Je pense que on n'a pas assez réfléchi ça. Et puis peut-être aussi, oui, excuse-moi. Oui, non, c'est ce qu'on a vu par exemple, on voit dans l'Est, ou ce qu'on a vu en Italie. On n'arrivait même pas à accompagner les mourants. Voilà, c'est vrai que c'est tragique. Ça donne une impression tragique. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'était... Parce qu'aujourd'hui, on passe son temps à regarder
enfin, au début on le faisait beaucoup, maintenant un peu moins, on passe son temps à écouter des nouvelles sur le plan sanitaire, sur la santé, qu'est-ce qu'on a comme solution, etc. Et on a l'impression que c'est l'inverse qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met en avant tellement la santé, le besoin de santé, c'est devenu un absolu, la santé, ça passe après tout le reste. Là, la mort, on n'est pas du tout en train de la préparer. On est en train, au contraire, de l'évacuer encore plus en disant l'essentiel, c'est la santé, le reste, ça passe, tout passe après. Il n'y a pas quelque chose qui est étonnant là-dedans. Oui, oui, c'est juste une sorte de sacralisation de la santé. De la santé, oui. De la vie. Et alors là, de ce point de vue-là, peut-être, j'ai envie de dire aussi que le système de santé, c'est très important qu'il soit lui-même en bonne santé. Oui. Un système de santé en bonne santé, c'est aussi un système de santé qui intègre tous les soins préventifs et donc le souci préventif que nous n'avons pas du tout assez fait en France. Ça, on le sent bien. On voit bien qu'il y a aussi que ce qui nous arrive est aussi peut-être en partie lié à un système qui n'est pas assez préventif, qui ne prévoit pas assez et aussi qui ne fait peut-être pas assez place au palliatif. Tout l'équipement palliatif qui est vrai, qu'il faut vraiment développer. Donc, élargir le système de santé au préventif et au palliatif, tout ça, je fais comme si je demandais encore plus de moyens pour le système de santé. Alors qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que il me semble qu'en même temps, nous sommes dans des sociétés, comme dans toute société, à toute époque, il y a des moyens disponibles et il y a des limites dans les moyens disponibles. On n'est pas prêt à l'accepter. Hein. Les limites, ça, on n'est pas d'accord. Hein. Ouais. On trouve que c'est scandaleux, d'ailleurs. Je pense qu'on est dans une société qui sacralise la vie tellement que ça n'a pas de prix. Si, bien sûr, ça a un coût. Ça a un coût. Et il y a de fait, si on n'en parle pas, en fait, il y a des choses qui sont choisies en amont par les grands choix de santé publique qui ne sont jamais traités comme des choix éthiques, qui sont traités par des gestionnaires, au meilleur terme, des technocrates, mais en absence de débat. Et je pense qu'il y a des vrais débats de où est-ce qu'on met nos priorités dans le système de santé. Et forcément, il y en a. Forcément, il y a du choix. Il y a toujours du choix, si je peux dire. Surtout aujourd'hui, où la mort n'est de moins en moins quelque chose qui arrive, mais quelque chose qu'on accepte que ça arrive, qu'on laisse arriver, si je peux dire. Parce que si on mettait tous les moyens, à la limite, personne ne mourrait. On pourrait presque faire comme avec la mort de Franco, le prolonger interminablement des fausses vies, si je peux dire. Donc voilà, je pense que là, on est à faire. Il faut qu'on élargisse qu'on prenne en compte sérieusement, d'un point de vue éthique et politique, donc aussi, parce que c'est collectif, la limite de nos moyens et qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit des choses sortir sur l'idée en fait, qu'on serait au bout du bout. Quoi. On a des discours d'apocalyptique sur la fin du monde. Est-ce que vraiment là-dessus, c'est un délire ou est-ce que vraiment on est en train de basculer vers autre chose ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on est en train de, il y aura le monde d'après ? Est-ce que le monde d'après, il ne ressemblera pas furieusement au monde d'avant ? Ah oui, malheureusement, oui. Malheureusement. J'ai envie de dire qu'en même temps, voilà, donc l'apocalypse, évidemment, il faut se méfier de toutes ces emphases apocalyptiques. Hein. C'est vrai qu'on a les quatre cavaliers de l'apocalypse et l'un d'eux, c'est justement ce cavalier vert, je crois, qui représente la maladie, hein, la peste, l'épidémie, etc. Bon. Donc, il y a ça. Je signale au passage que Calvin, qui a commenté semaine après semaine tous les livres de la Bible, s'est toujours refusé à commenter l'Apocalypse, justement parce qu'il avait tellement, le sentiment apocalyptique était tellement fort à son époque, et l'époque de Nostradamus. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on devrait reprendre un petit peu, là encore, si je peux dire, cette solide base calviniste ou calvinienne. Voilà. Mais en même temps, alors j'ai envie de dire, voilà, que ce soit l'occasion d'une crise au sens positif du terme. Une crise, c'est quoi ? C'est une crise, c'est à la fois une occasion, on disait tout à l'heure occasion, kairos, c'est un moment de réflexion, un moment de mise en parenthèse, de suspension. On se suspend. On suspend son souffle, on suspend les activités, on suspend tout ce qu'on est en train de faire. Et est-ce que c'est pour, après qu'il y ait une relance de plus belle, d'autant plus forte qu'il y a eu un temps d'arrêt, et une relance pareille, je pense que ça serait une grosse erreur. Et que, d'ailleurs, ce n'est pas ça la santé. Le philosophe Georges Canguilhem disait que la santé, ce n'est pas de revenir à l'état antérieur avant la maladie ou avant l'accident, c'est de réintégrer une forme de vie durable, viable,
en intégrant la maladie et le choc. C'est ça la santé. La santé, c'est pas de revenir à l'état d'avant. Oui, oui. Eh bien, je pense que c'est un petit peu la même chose pour notre société tout entière. Hein. Ce temps de crise, c'est aussi un temps pour krinein en grec, c'est trier. Le crible, l'idée du crible. Il faut passer au crible nos vies, à la fois individuelles mais aussi collectives, pour voir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on va arrêter, parce que ça nous semblait mal barré, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on va continuer et qu'est-ce qu'on va commencer? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on recommence? Voilà. Je pense que ça, c'est le moment critique. C'est ce moment-là. Et je pense que c'est en sens-là très positif. Donc, il ne faut pas le prendre comme la fin du monde. Il faut le prendre. J'avais écrit dans La Croix, il y a une vingtaine d'années, un texte intitulé « Ce n'est qu'un éboulement ». J'ai envie de dire, voilà, ce n'est qu'un éboulement, ce n'est pas la fin du monde. Je pense en fait à Tintin dans L'Étoile mystérieuse. Je ne sais pas si vous rappelez. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît L'Étoile mystérieuse. Et au début, donc, il y a cette aérolite qui est tombée. Alors, il y a Tintin qui traverse la ville dévastée en disant « Hourra, ce n'est qu'un tremblement de terre !» Parce qu'il avait peur de la fin du monde. Voilà. Ouais. Au début, il y avait vraiment cette image de la fin du monde, avec ces prophètes qui viennent annoncer la fin du monde. J'ai envie de dire « Hourra, ce n'est qu'une épidémie !» Ce n'est qu'une épidémie, non, mais c'est une épidémie. Tiens. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce qu'on va se réorganiser à partir de ça? Parce que cette épidémie, il y a plein de choses, elle nous dit beaucoup de choses. De notre manière d'habiter la nature, de notre manière de globaliser, d'avoir tout décloisonné, d'échanger à toute vitesse, non seulement les informations, mais aussi les marchandises, les viandes, tout à toute vitesse. Donc, ça nous fait réfléchir sur notre mode de vie, ça c'est certain. Oui. Alors, pour terminer, je ferai la question traditionnelle et Dieu dans tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a à nous dire sur le plan divin, alors, sur le plan spirituel, il y a des gens qui sont partis sur le thème de la punition, en mode de vie, un système ultralibéral, des atteintes à la création, etc. Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que Dieu nous dit quelque chose à travers ça, cet événement? Non. J'ai vraiment, là aussi, c'est la même chose. C'est l'idée d'une conception tellement pénale du monde. Oui, une vision morale et pénale du monde dans laquelle tout malheur est mérité et c'est la punition de quelque chose. Mm-hmm. Et alors, comme la réussite serait le signe de la bénédiction de Dieu. Cette idée, elle est au fond de beaucoup de nous, même si on a, même au-delà de la religion, des traditions religieuses. Ah, mais c'est complètement sécularisé. Dès qu'il y a un malheur, il faut absolument chercher un coupable, un bouc émissaire tout de suite. Non, tout à fait. C'est tout à fait général, cette idée-là, et que s'il y a un malheur, il y a forcément une faute. Etc. J'ai envie de dire non, le malheur, il est juste absurde. Il est absurde, il est juste bête, il est bête à pleurer, c'est tout. Il y a du malheur, ça arrive dans la vie, et qu'est-ce qu'on fait avec? Il ne faut pas en rajouter. On ne va pas rajouter au malheur. C'est ça le problème des humains, c'est qu'ils ne supportent pas juste de... J'avais envie de dire tout à l'heure, juste commençons par subir, par laisser passer le temps sur nous. Juste, il nous arrive quelque chose. Pour une fois, c'est pas, on n'a pas tout prévu, on n'a pas tout planifié, il nous arrive quelque chose. S'il y a quelque chose que Dieu peut nous dire, c'est ça. C'est, attendez, il peut vous arriver des choses. Ça arrive, ça advient, il y a une altérité, c'est autre chose que ce que vous aviez prévu. Et j'ai envie de dire ça, sentons qu'il nous arrive quelque chose. Et ne surréagissons pas, parce qu'en surréagissant, probablement, on va faire du mal en plus. On va en rajouter, si je peux dire. Et vous dites, en fait, Dieu, dans tout ça, il est sur le côté. Il est comment on peut dire? L'au-delà, dans un... Mais vous savez, moi, j'ai le sentiment, par rapport à Dieu, on parle beaucoup en théologie protestante de coram Deo, nous sommes devant Dieu. C'est un thème très important pour gérer la sincérité, la probité de la foi, etc. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que nous sommes coram Deo, au sens où nous sommes devant Dieu, non pas parce que Dieu est devant nous, nous sommes face à Dieu comme nous regardons dans le miroir. Non, nous sommes devant Dieu parce que Dieu est derrière nous, parce que nous sommes dans la main de Dieu. Dieu nous envoie, Dieu nous porte et nous envoie. Nous sommes dans la main de Dieu. C'est plutôt dans ce sens-là que j'entends le devant Dieu, plutôt que le devant Dieu face à face, en quelque sorte, dont nous ne sommes pas capables. Ce n'est pas une idée de jugement. Dieu n'est pas là pour nous juger, mais il va nous accompagner, comment on dirait? Il est là, ben oui, pour nous dire installe-toi dans ta vie autrement, réinstalle-toi dans ta vie, habite le monde que je t'ai donné, habitez ensemble, cohabitez dans le monde que je vous ai donné, cohabitez à nouveau, autrement, retrouvez une capacité d'habiter. C'est ça aussi que cette crise nous apprend à simplement habiter, repartir de notre habitat,
habiter, c'est-à-dire bon, habiter, c'est aussi cohabiter avec d'autres, c'est avec des proches, avec des aussi des un peu moins proches, avec des voisins, c'est mais de proche en proche, c'est aussi rentrer, c'est sortir chez soi et reprendre, je dirais, le monde habitable en respiration avec les autres. Je dirais, mais cette dimension écuménique. Et j'ai envie de dire, même d'ailleurs, même que c'est un message pour l'Église. L'Église, on va souvent chercher des réseaux très loin, etc. Mais en fait, il faudrait juste recommencer l'Église juste avec les proches. C'est l'occasion pour refaire l'Église avec les proches, d'abord dans la famille, avec ceux qui sont là, ou au téléphone, avec des amis, etc. Refaire l'Église aussi avec les proches, c'est-à-dire ceux qui sont à côté, qui ne sont peut-être pas protestants, qui sont peut-être des catholiques ou des juifs. Moi, j'ai Monsieur Horviller, c'est un lointain oncle de Delphine Horviller, c'est mon voisin ici à Nîmes. Voilà, je vais discuter avec lui. Mais est-ce que ce n'est pas ça l'Église aussi? Vous voyez, c'est ce sens de la, je dirais, de faire avec ceux qui sont à côté de nous. Là où trois sont réunis, je suis parmi eux, disait Jésus. Et je pense que ça, c'est vraiment un message très important.